professional tracker, progressive pattern hacker. 31 samples of dirty subject matter. We got that Amiga vision. Better bring your homework, boy, cause this is revision. Professional tracker, progressive pattern hacker. 31 samples of dirty subject matter. We got that Amiga vision. Better bring your homework, boy, cause this is revision. Walking all night to that pattern scan, digging deep in the sample bank. Can't leave nothing blind, trample the tracks like a battle tank. Roll tracking in our sleep like androids counting 64 electric sheep. You can find us in the demo scene, proud and war, surrounded by Amigas and 64s. 1-bit, 2-bit, 3-bit more, 7-bit, 8-bit, no more. We be making a play with AV projects at 64K. Made aim to win the day. Glitch off and head bobbing, bag them up and never stopping. Track smashing, noise catching, yeah, the beat cracking. One more thing left before you go. To the hackers, provisions of pole trackers. Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 5 mai, vendredi 5 mai 2023. Et ce qu'on va parler aujourd'hui, ça va être Erlang et OpenSSH. Alors évidemment, on va peut-être faire un petit tour d'abord dans les news. Comme d'habitude, c'est un peu à l'arrache l'open bar, donc on va voir ce qu'il y a à dire. Je n'ai pas trop le temps en ce moment de les planifier et de faire des choses assez complètes. Je vais avoir besoin dans pas longtemps de travailler sur SSH avec Erlang. Donc je vais en profiter pour en parler un petit peu. Je teste vite fait le son parce que j'ai eu des problèmes de son la semaine dernière. A priori, ça a l'air d'être bon. C'est peut-être même un peu trop fort au niveau du son. Non, ça a l'air d'être pas trop mal. On va pouvoir commencer. Au pire, si vous avez des soucis, pinguez-moi. Il me faut juste que j'ai le chat. Normalement, ça devrait être bon. Hop. Normalement, le chat est dispo sur Twitch et sur YouTube, parce que nous sommes maintenant sur YouTube en live. Enfin bref, commençons un petit peu. Déjà, allons faire un petit tour du côté des news, voir s'il y a des choses qui sont un peu sorties. En Elixir, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, mais comme d'hab, ça va être pas la priorité. Et au niveau du monde Erlang, bon, à part évidemment les release notes avec OTP, et encore, il n'y en a pas eu. Bah, a priori, il n'y a pas grand-chose. Donc moi, je propose qu'on aille faire un petit tour du côté d'OpenSSH.
Allez, on va zoomer un petit peu pour que tout le monde puisse bien voir hop, ce qui se passe. Alors, pour ceux qui connaissent pas SSH, je pense que vous ne devez pas être nombreux, surtout si vous me suivez. OpenSSH, c'est un protocole et un outil pour permettre en fait l'administration à distance généralement, mais qui a été modifié et utilisé sur pas mal d'autres sujets. On peut faire du tunneling avec, on peut créer des VPN, on peut créer vraiment, vraiment beaucoup de choses avec. Pourquoi je présente OpenSSH aujourd'hui, ou plutôt SSH, le protocole, c'est parce que mon dernier article sur TLS et DTLS a été terminé hier ou avant-hier, il est en cours de relecture et de correction, donc probablement il va être donné bientôt pour être publié. Et la prochaine étape de TLS-DTLS, c'est de montrer SSH, qui est intégralement supporté, en tout cas la version 1 et la version 2 du protocole, au sein d'Erlang OTP. Là, ce que vous avez en face de vous, c'est la page d'OpenSSH. Donc, en gros, le serveur web et le client, le serveur web, le serveur SSH et le client SSH le plus utilisé autour du monde. Il faut savoir que si vous l'utilisez sur Debian, Red Hat, même sous Windows, etc., il y a de fortes chances que ce soit basé sur OpenSSH, qui est en fait un projet maintenu par l'équipe d'OpenBSD. Alors on pourrait parler aussi de l'historique d'SSH. Franchement, la seule chose que vous pouvez savoir, c'est qu'avant SSH, on utilisait généralement Telnet, Airlogin, RSH, etc. pour se connecter à serveurs distants. La problématique de ça, c'était pas chiffré. Et qui dit pas chiffré, je vous laisse imaginer quand vous administrez un pool de serveurs, vos mots de passe passent en clair, c'est pas forcément la meilleure des idées. Donc dans les années 90, en 95, à peu près la même date, les mêmes dates qu'il y avait à l'époque de TLS, SSL, etc., il y a un Finnois qui a décidé de faire, ok, c'est pas possible, on va créer un autre protocole chiffré qui s'appellera SSH pour Secure Shell, et qui est jusqu'à aujourd'hui en fait utilisé globalement. Alors en 95 c'était la version 1 du protocole, maintenant on est en version 2. Alors il y a eu beaucoup de choses qui ont été améliorées. La version 2 intègre par exemple tout ce qui est multiplexage de connexion, etc. Donc pas mal de choses super intéressantes qu'on va peut-être voir si on a le temps aujourd'hui. Alors je pense qu'on va avoir peut-être 1h30, 2h de libre. Je voudrais pas trop, comment dire, finir tard. Donc on va essayer de faire un petit tour, déjà s'amuser avec la commande, je vais vous expliquer comment faire pour démarrer en fait un serveur SSH localement, etc. On va voir la différence, on va apprendre aussi, parce que je suis pas forcément. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué avec SSH. L'un de mes premiers projets quand j'étais en cours, c'était justement de faire un multiplexeur de connexion SSH. Donc ça date un petit peu, c'était un bastion SSH. À l'époque c'était fait en Python avec Twisted, Python. C'était simplement super dégueulasse. Et si à l'époque j'avais rencontré Erlang, ou j'avais découvert Erlang, je pense que beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses, se seraient pas passées comme je les codais à l'époque, quoi. Bref, je propose qu'on commence. Allez, c'est parti. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a le droit au site web de base d'OpenSSH. Alors, l'avantage d'OpenSSH, c'est que la documentation elle est vraiment super claire. Donc pour les personnes qui sont un peu intriguées pour voir un peu comment ça fonctionne, OpenSSH c'est un couteau suisse. C'est simple, vous pouvez tout, pratiquement absolument tout faire avec. Donc je vais pas tout vous présenter. Là c'est la documentation du client par exemple. Donc vous avez tout ce qui est explication de connexion forwarding, tout ce qui est partage d'écran avec X11. Vous avez toute la partie sur les host keys, mais vous savez aussi toute la partie sur les signatures, etc. Parce que justement, SSH utilise tout un système de génération de clés, etc. Pour pouvoir en fait authentifier les connexions. Donc, ce qu'on va utiliser tout à l'heure, il y a de fortes chances, ça va être SSH Keygen. Donc SSH Keygen, il va faire quoi? Il va permettre en fait de manager les clés privées et publiques au sein d'SSH et de les générer, de les révoquer, etc. Et potentiellement de les signer et de les vérifier. KeyScan, c'est un autre outil en fait que vous pouvez peut-être avoir déjà utilisé, qui permet en fait de récupérer les clés publiques. Donc ça, on verra peut-être aussi après en parallèle de la version d'Erlang pour vous montrer ce que ça fait.
Et caching, c'est pour justement tout ce qui est signature de clé normalement. Je crois que j'ai jamais vraiment utilisé celle-là. Normalement, c'est pour tout ce qui est lié au certificat. En fait, si vous avez un certificat, vous allez signer en fait vos clés avec vos clés publiques et compagnie. Donc, ça va permettre d'étendre un petit peu la sécurité au niveau de l'authentification. Donc il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Par quoi commencer? Bah, déjà peut-être vous montrer comment ça fonctionne. Je sais pas si on peut avoir un petit schéma sur le web. On doit bien voir ça. Ah oui. J'ai des problèmes avec Brave Browser. Il me demande d'utiliser Bing. Ça me plaît pas trop. On va aller voir un petit côté des protocoles. Et on va se faire un petit TCP dump et on va voir même localement comment ça se passe. Donc, alors aussi je précise, il faut que je précise avant. OpenSSH et SS, désolé. OpenSSH est livré en deux versions. La version qui est livrée avec OpenBSD, qui est directement supportée au sein du projet OpenBSD, et une version portable qui est adaptée pour toutes les autres distributions, que ce soit du Linux, du VAX, je sais plus comment ça s'appelle, macOS, peut-être même Windows, etc. Et ça, c'est une version qui est, comment dire, adaptée pour tous les autres systèmes. Celle qu'on utilise par exemple sur Debian, qu'on utilise sur Ubuntu, etc., c'est une version typiquement adaptée parce que toutes les fonctions qu'il y a dans OpenBSD ne sont pas présentes sur les autres systèmes. Donc c'est OpenBSD portable, je crois qu'on appelle ça. Ah bah il y a même une page history, il y a une page history, j'ai pas vu. Mais en fait en gros vous avez toute l'histoire d'OpenSSH si vous voulez voir l'histoire. Franchement j'ai pas forcément trop la tête à vous parler un peu de l'histoire, mais c'est assez intéressant de voir en fait comment le protocole a évolué au fur et à mesure des années avec les rajouts des différentes features, etc. C'est quand même quelque chose si vous avez le temps d'aller voir. Pareil pour les fonctionnalités. Je vous invite vraiment à aller faire un tour, parce qu'on parle de TLS et DTLS, etc., comme étant des protocoles sécurisés. Franchement, OpenSSH, il est bien, bien hardcore. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir au niveau de ça aussi. Et les spécifications, alors ça aussi c'est assez sympa, j'avais pas vu ça. Parce que hier j'avais été faire un tour vite fait sur le site et j'avais pas vu qu'il y avait la page sur les specs. Donc je pense qu'on fera aussi un petit tour, si on a le temps et l'occasion, sur les différentes spécifications, voir ce que ça correspond et comment ça a été implémenté du côté Erlang. Ok, donc ça on a vu. Et on va utiliser SSH tout de suite. Déjà, localement. Pour SSH, il va falloir qu'en fait, alors, si vous voulez, normalement sur votre système, vous avez déjà installé SSH, vous avez normalement un répertoire qui s'appelle etc SSH, et dedans, vous allez en théorie avoir toutes les configurations que vous avez besoin. Dans mon cas, c'est une installation que j'ai faite sans SSHD, donc il n'y a pas de démon SSH qui tourne, il faudrait que j'installe un, etc. Mais on ne va pas faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être télécharger d'abord les sources. Je ne l'ai jamais configuré en portable, j'utilise habituellement OpenBSD, donc. Je ne l'ai jamais utilisé en fait en portable et je ne l'ai jamais compilé en portable et je voulais prendre l'occasion de faire ça pour voir avec vous comment ça fonctionne. Donc, hop, on va aller cloner tout ça. Hop, on va aller dans src, wget, hop. Alors pourquoi wget? Ouah, désolé. C'est le vendredi, on est un peu tous fatigués. Alors, git clone. Hop, rm-f, op. On va cloner tout ça. Puis on va se compiler peut-être la master. Alors je sais qu'ils fournissent des releases aussi hein, sur OpenBSD portable. Normalement, si vous avez là, vous avez une page pour les télécharger. Ici, donc si j'arrive pas à compiler via Git, on va aller se faire un petit tour. Sur les différentes versions qu'ils offrent et qu'ils mettent à disposition. Donc, OpenSSH portable, c'est parti. On va aller faire un petit tour là-dedans. Comment que ça fonctionne? Alors, déjà, à première vue, à mon avis, il faut assez local. Je ne sais même pas si je l'ai installé. Donc, assez local, c'est tout ce qui est auto-configuration. Normalement, ça va me faire
Ok, autoconfig. Maintenant, il n'y est pas. On va l'installer. C'est pas autoconfig. Je sais plus. Autoconfig. Marrant ça. Va me falloir make. Je sais même pas si j'ai make. Si j'ai make. Autotools. C'est pas un truc comme ça qu'il l'appelle. Si autotools-dev. Je vois de Debian. Allez, installons ça. A priori, il a l'air d'être bon. dpkg-l autotools apt cherche auto. C'est le vendredi. Ah ok, d'accord. C'est parce qu'en fait, il l'appelle avec une version. Hop, nickel. Sudo apt install. Hop. Ok, donc là normalement on va avoir un configure et on va avoir en fait les dépendances qu'ils ont besoin. Donc évidemment il faut avoir un compilateur C installé. Normalement c'est la version portable, devrait pas y avoir trop de problèmes. Si on a libdev etc et tout, enfin libssl et compagnie, normalement ça devrait fonctionner. Il y a libcrypto aussi je crois, ça fait partie requirements, on pourrait regarder le readme mais c'est pas drôle. Je préfère directement y aller comme ça. Config.h.in. On va regarder ça. Pourquoi ça marche pas? Alors. Building from git autoconf auto reconf, c'est peut-être parce que j'ai oublié de faire ça d'abord. Tout ce qui demande à être fait, libcrypto etc, git clone, ok, CD OpenSSH portable, autoreconf, configure Mac et Mac test. Ok, on va faire un petit coup de configurer encore, voir ce que ça donne. Là, c'est la partie configure. On va regarder aussi après, je vous ferai un petit point configure avec le message d'aide pour vous montrer un peu tout ce que ça supporte et tout ce qu'on peut activer et désactiver. Ça mouline, hein. Il y a pas mal d'options. Et pendant ce temps-là, est-ce qu'on préparait pas un petit repository avec Ripar? Ouais, on va se faire ça. Va l'appeler S. Ok, parfait. Alors, je vous fais juste un petit exemple. Pour les personnes qui ne sont pas habituées à compiler leur propre logiciel eux-mêmes. Il y a des avantages à ça, il y a des inconvénients, chacun son idée, chacun sa philosophie sur tout ça. Je crois que c'était la semaine dernière où je compilais, je sais plus quel logiciel, je crois que c'était SSL. Je crois que c'était SSL, OpenSSL. C'est quand même assez intéressant de voir justement toutes les options qui peuvent être mises à disposition. Ne serait-ce que pour différents systèmes, etc. Donc là, en fait, en gros, on a une petite idée, par exemple, support de PAM, support de SE Linux, etc. Tout ça va permettre en fait de sécuriser en fait votre exécutable à la fin qui va être produit, sécurisé ou le rendre plus léger, etc. en fonction des besoins. Donc c'est toujours utile de savoir faire ça, puis ça permet un peu de, ouah, bah, de changer un peu, on va dire. Allez, on va faire un petit make. Donc là, ça compile. De mon côté, ici, je vais aller dans le bon endroit.
R3HL, normalement il va démarrer. Hop. Donc dans un premier temps, on va juste essayer de se connecter, de configurer localement en fait un service SSH, se connecter directement, créer les différentes clés, etc. Et puis on va voir ce que ça va donner. Donc ça met un peu de temps. Pendant que ça fait ça, on va aller préparer la documentation sur Erlang. Et il me faut les commandes de SSH Kitchen. Ok, bah c'est bon, parfait. Donc là, normalement, on a nos exécutables qui ont été générés. Donc on a SSHD, SSHAD, etc. Donc on va tester déjà SSHD-help. Donc a priori, ça a l'air de tourner. On voit qu'en fait, on peut configurer directement la majorité des options directement depuis la ligne de commande. Normalement, on a le fichier de config qu'on va peut-être créer nous-mêmes dans un premier temps. Mais la majorité des options peuvent être passées avec l'option moins haut option. Et si vous voulez voir une petite idée de toutes les options qui peuvent être proposées, on va dans SSHD et vous avez SSHD underscore config normalement. Si je le trouve, SSHD underscore config. Et là, vous avez une documentation assez hardcore sur à peu près toutes les options que le serveur SSH supporte. Donc il y a énormément de choses. Il y a des configurations par défaut, hein, faut pas se leurrer. Donc déjà, on va tester un truc, c'est est-ce qu'on peut le faire écouter? Donc là, normalement, on a listen, je crois, c'est listen. Oh, pourquoi j'ai zoomé à ce point-là? Je voulais faire juste listen. Donc on a listen adresse, et normalement, on doit avoir listen port. Qui doit se trouver, ou port, quelque chose comme ça, c'est port. Ok, donc on va faire port égale hop comme ça. Rig that requires with an absolute pass. Ok, ça c'est pas très grave. Donc là ils me disent ouais ils sont pas très contents parce qu'il faut un répertoire dans slash etc. Alors je suis désolé encore une fois, mes voisins ils aiment bien faire du bruit pendant que je stream. Histoire de m'énerver un peu, donc on va essayer d'être calme aujourd'hui. Donc là en fait en gros il va chercher sa configuration directement dans UTC machin chose. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va en créer une. Là il y en a une qui est présente déjà, une configuration. On va voir ce qu'il y a dedans. Et si ça ne convient pas, ce qu'on peut très bien faire c'est faire autrement. Donc là voilà, donc on a sélectionné un nouveau type de fichier. Et un nouveau type de configuration, et donc là ils me disent effectivement il n'y a pas les hostkeys valables. Alors, disponible. Qu'est-ce que c'est que les hostkeys? On va aller voir au niveau des specs, parce que ça fait partie des choses que je voulais lire de toute façon, parce que je ne connais pas particulièrement en entier le protocole SSH. J'avais un bouquin sur SSH il y a quelques années qui était vraiment bien fait, qui m'a bien servi en fait quand j'ai travaillé sur mes projets de Bastion, etc. Mais qui est à mon avis un peu vieux. Donc on va aller directement lire les spécifications. Alors, lequel est le mieux? SSH protocole, SSH protocole architecture, authentification protocole, transport layer protocole et connexion protocole. Alors, déjà, regardons au niveau de l'architecture. Il parle normalement des host keys. Alors, each server host should have a host key. Donc, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que chacun des serveurs doit avoir en fait, devrait avoir un host key. Ils peuvent même en avoir plusieurs. Et donc, à mon avis, si on va un peu plus loin, ça veut dire qu'on va pouvoir identifier un serveur qui contient en fait des clés différentes. The server host keys used directly. Ok, donc en gros, ça, cette partie-là, c'est pour dire que quand il y a un échange de clés qui est fait, quand il y a un échange de clés en fait lors de la connexion, ça va permettre de s'assurer que vous parlez au bon serveur. Donc, the client has a local database that associates each host name with a corresponding public key
Publikowski. Donc ça, c'est un document que vous devez avoir normalement dans votre répertoire utilisateur qui s'appelle NoHost. Et alors, je vais peut-être pas vous le montrer le mieux parce que c'est mon privé, c'est mon perso, mais qui contient la liste en fait des hosts. The host name to key association is affiliated with Trusted Statistical Authority. Only knows the CR root, bla 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 bla. Ok. Donc ça c'est encore une fois la partie si vous avez un certificat, les connexions vont être chiffrées et pour s'assurer en fait en gros que le lien est correct, on utilise un certificat d'autorité exactement comme TLS, SSL et DTLS. Ok, donc ça c'est bon à savoir. Est-ce qu'on a d'autres informations sur les host keys? A priori, il n'y a pas l'air d'avoir plus d'informations sur les host keys. Bon, c'est pas grave, on va les générer nous-mêmes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un répertoire ETC ici. On va faire un répertoire SSH ici aussi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer SSH KeyGen et on va générer les clés qui vont bien. Alors, pour générer une clé, vous voyez ici, on a une liste de fichiers, j'ai zoomé un peu, hop, qui correspondent aux host keys, normalement avec leur key public. Là, si on regarde bien, ça va contenir directement les clés associées au niveau du serveur, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas celui-là. Je ne suis pas sur le bon truc. Ça doit être SSHT alors. Hop, tout à la fin. Non, on va aller voir SSH. Où elle est la commande SSH? Elle est là, voilà. Donc là, ces fichiers-là vont contenir en fait le host key. Donc le SSH config va contenir directement la configuration du serveur du client SSH. SSHD underscore config va contenir la documentation pour le serveur SSH. Et ces valeurs-là ici vont contenir les différentes clés liées directement au serveur. Et si vous regardez bien, chaque clé utilise un algorithme différent, donc DSA, ECDSA, ED2579 et RSA. La host key ici, c'est une clé par défaut, je suppose. On va voir après justement à quoi elle correspond, si on lit le code source, etc. Donc, pour gérer la clé en question, c'est pas forcément très difficile. Déjà, on va faire un petit help pour voir comment ça fonctionne. Là, vous avez une idée en fait des différents éléments qu'il y a. Et on a le moins T pour le type. Par exemple, on va générer RSA et F pour le fichier qui va être sorti, normalement, si je ne me trompe pas, output key file. Et donc, le premier qu'on va faire, c'est on va juste générer celui-là. Ok, juste voir ce que ça va donner. Donc, par défaut, on s'en fout, il demande un passe-phrase, mais on s'en fiche. Donc là, on a déjà deux clés qui ont été générées. Le SSH host RSA key. Alors, vous pouvez l'avoir, hein, c'est des données qui vont être supprimées, c'est pour ça que je le fais dans un environnement totalement nouveau. Je génère from scratch, j'utiliserai jamais cette clé-là. Ça va être supprimé après l'exemple. Donc, ça va être la clé privée. Normalement, vous ne devez pas la partager, c'est quelque chose qui reste vraiment au niveau du serveur. Ensuite, il y a la clé publique, c'est elle, vous pouvez potentiellement la partager. Alors, cette partie commentaire-là, c'est une partie commentaire qu'on rajoute pour identifier la clé plus facilement plutôt que d'avoir une longue suite comment dire, de lettres pour du base 64, quoi. Enfin, ça, c'est un code en base 64 et ça encode en fait la clé publique. Pareil, on va voir avec Erlang après comment on génère ça. Donc là, vous avez une petite idée. On a une liste de protocoles. DSA, ECDSA, ED25, blablabla. On va pas se prendre la tête. On va faire soit une boucle, soit un petit echo printf, blablabla. On va faire une boucle pour aller plus vite. Donc DSA, EC, DSA, ED25, 519. Et on va reprendre la commande qu'on a utilisée juste avant. Et on va générer
notre petit notre, nos petites clés do et done. Ok, donc ça on s'en fout, c'est vrai j'aurais pu désactiver ça, c'est un peu chiant. Mais là on a toutes nos clés et il ne nous reste plus qu'une seule, c'est la SSH host key. Alors la question de savoir c'est à quoi correspond SSH host key. Moi je pense qu'elle ne va pas être vraiment utile, je pense que c'est un alias pour RSA key, mais ça mériterait quand même de faire un petit tour dans le code source. Et ça tombe bien parce qu'on a le code source à notre disposition. Hop. Alors, regardons, c'est SSH host key. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc, dans install, donc là, c'est intéressant parce que justement, ils expliquent la même commande que j'ai fait. Sachant que j'ai déjà fait plusieurs fois, c'est pour ça que je l'ai fait de tête, hein, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, si on avait regardé la documentation, les README et install file, les fichiers installés README, on aurait déjà vu un peu notre truc. Ensuite, je vois qu'il y a un SSHD init dans Red Hat et il parle du SSH key file. Donc peut-être qu'on va trouver notre bonheur dans ce script. Alors, pourquoi c'est pas affiché? Marrant ça. Priori, c'est pas là. C'est sysconfig dir. On va regarder dans le macfile. Alors, passe, ok. Bah, il n'y a pas grand-chose de plus. Must be readable by only root. Ouais, c'est marrant ça. On n'a pas plus d'informations que ça. Bah, a priori, on n'a pas plus d'informations que ça. Alors, SSH key gen moins A. Désolé, saison du pollen. If they do not already exist. Ah, ça, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Encore une fois, bon à savoir. Hop. Donc, on va aller ici. On va supprimer tout ce qu'on a déjà fait. Et on va utiliser la commande avec le moins A. Non, il n'utilise pas en tant que préfixe. Generate host key of all default. The host keys are generated with the default key file path. Défaut commutatif minus FSL. Ah, ok, d'accord. Effectivement, c'est le préfixe en question qui pose problème. J'aurais dû modifier les préfixes quand je l'ai compilé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc plus simple. Hop, mkdir moins p. Tac. Et donc là, normalement, si je fais ça. Bon, bah alors, je fais n'importe quoi aujourd'hui.
Parfait. Donc normalement, on devrait aller dans user local etc. Et là, on a bien notre clé. Il parle pas de SSH host underscore key. Donc je suppose que c'est une valeur par défaut qui doit être générée si on n'a pas forcément d'autres clés. Donc déjà, c'est une bonne chose. Normalement, si je recommence avec la commande sshd, on va faire touche sshd config. Et on va faire. C'est que ça commence à devenir compliqué. Export pass. Export pass égale dollar pass. Et on va mettre PWD ici. Normalement, si je fais SSHD. Ok, parfait. Parfait, mais dans tous les cas, j'aurai toujours le même problème, vu qu'il n'est pas très très content au niveau du pass. Bon, c'est pas très très grave. User local etc. Alors. Là, on a notre pass et on va l'utiliser pour invoquer SSH. Et tiret F. SSHD config et déjà normalement tirer au port ok et là normalement on doit pouvoir lui définir les fichiers de clé et il va être content. Donc si on se souvient bien, il y avait les fichiers qui sont ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Alors je ne sais pas par contre si c'est les filets private key. Ok. Donc en gros, on va récupérer tous les SSH underscore blablabla. Grep.v. On va supprimer tout ce qui est public. Et on va rajouter ça directement dans SSHD config. Et. Là, on va faire, hop, si j'y arrive, host key. Ma version de comment ça s'appelle de VI, je sais pas si c'est parce que c'est la version de Debian ou quoi, mais c'est à chaque fois une galère. Ça ne marche pas et ça m'énerve. Ok, et donc testons maintenant. Donc a priori, ça a l'air d'être démarré. Donc là, on a bien le port 2222. Le pass en question, il a l'air d'être plutôt bon. La configuration aussi, elle a l'air d'être bonne. Et donc, si on fait un petit test de connexion, a priori, on arrive à se connecter dessus. Et si je fais localhost-p. N22. Bon, a priori, il n'est pas trop content, mais bon, ça, c'est pas grave, ça peut être pour un autre problème. On va tuer ce process et on va le mettre en debug, je crois. Alors, je sais plus, c'est debug, ça doit être pour éviter qu'il passe justement en daemon. On va aller regarder ça tout de suite dans la doc. C'est SSH, SSH, déconfig. Alors, debug mode. Donc ça doit être c'est moins grand D, moins D. Ok, donc là, il se connecte. Testons. Donc, no host keys available existing. Donc là, il n'est pas content parce qu'en fait, en gros, il cherche le pass directement. Donc, ce qu'il faut qu'on lui mette, c'est directement le pass qui est ici. J'en ai marre, mes configurations sont vraiment pas terribles.
Je suis habitué à utiliser OpenBSD, je suis pas habitué à utiliser du Debian-like, autant dire que ça me pose quelques petits soucis. On va essayer de retester. Donc là, a priori, l'authentification est faite. Et là, on a déjà une petite idée de ce qui se passe. Alors, regardons. Donc l'avantage du mode debug, c'est que ça nous permet de voir les étapes ce qui se passe. Donc on va le refaire et je vais mettre un petit cp dump. Là, je le mets en écoute. Donc, en écoute, il fait rien pour l'instant. On va initialiser la connexion. Par contre, il n'est pas sur la bonne interface. -il. On va recommencer. Voilà. Donc là, on voit tous les échanges qui sont faits. Donc on voit bien qu'il y a l'initialisation TCP qui est faite, les échanges qui sont courts, et là il y a différents types d'échanges qui vont être faits. Il faudra qu'on mette un petit verbose pour voir ce qui se passe. Du côté serveur, qu'est-ce qui se passe? Alors du côté serveur, on arrive en listen, while running debug mode, ok, les messages version. Donc ça c'est la première, mais c'est le message qu'il va envoyer parce que le client en fait il a demandé. On peut essayer de refaire en fait la connexion pour qu'on regarde un peu ce qui se passe. Je vais mettre moi un grand A up pour avoir une petite idée. Et là, on va mettre en VVVV pour être plus verbeux. Donc, je sais pas si on peut mettre le truc en mode temporel pour avoir une petite idée au niveau des secondes. Ah, ça, c'est une bonne idée. Il faudrait peut-être que je code ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va chercher en fait déjà les fichiers d'identité qui sont définis par défaut dans la conf. Et on voit très bien qu'il envoie, il demande différentes informations. Local version, remote protocol version, match OpenSSH, blablabla. Donc ça, c'est ce qui est lié normalement à ce que le serveur envoie. Si on récupère en fait les informations ici, on voit déjà à peu près ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc on a notre connexion TCP en clair qui se fait ici. Dès qu'en fait la connexion elle est prête, le serveur en fait envoie son numéro de version a priori. Même pas, c'est le client qui envoie sa version. Le serveur renvoie après sa version à lui. Et là, il y a les échanges en fait au niveau des clés qui vont être envoyées. Donc, dans le cas d'échange de clés, ils vont dire en fait pas l'échange de clés, les échanges de protocoles qu'il y a à disposition. Et ils vont commencer après à choisir un protocole chacun où ils sont d'accord avec. Et ils vont faire les échanges ensemble et ils vont communiquer en chiffré. À partir de là. Hop. Tout ce qui est ici, c'est en chiffré parce qu'en fait, en gros, les informations qui transitent maintenant sont chiffrées via les algorithmes, etc., qui ont été précédemment définis entre les deux parties. Alors, déjà une grosse différence qu'il y a avec TLS, c'est que si on fait une connexion TLS, dans mes souvenirs, on voit pas ça. C'est-à-dire que la première connexion fait l'échange de clés publiques et chiffre directement la connexion, le lien pour éviter qu'on voit ce genre d'informations en clair. Donc toutes les personnes qui font déjà, et ça j'en ai déjà vu, parce que même moi je le faisais à une époque, toutes les personnes qui font du tunneling SSH pour bypasser des firewalls et compagnie, faut savoir que d'un point de vue analyse, je pense qu'il n'y a pas plus simple de voir que si on a un message de ce genre-là, c'est du SSH qui transite. C'est totalement clair. Si vous voulez faire du bypass de firewall, etc., je vous déconseille de passer par SSH. Je vous conseillerais plutôt en fait de passer par un tunnel comme S-Tunnel ou un VPN qui écoute sur le port 443. Ce sera beaucoup, entre guillemets, ce sera un peu mieux que d'utiliser SSH directement pour faire tous vos outils de bypass, etc. Donc déjà on a une petite idée, la connexion est passée. Donc, je ne suis pas sûr que ça fonctionne parce que je crois que j'ai pas la permission pour aller voir les fichiers d'authentification parce que je suis un simple utilisateur, mais c'était pour vous montrer comment ça fonctionne d'un point de vue bas niveau. Donc la connexion, enfin la configuration, elle est extrêmement simple. On a trois lignes de code, une option pour définir le port, sachant que le port en question ici, on peut très bien le définir là en disant bah ça va écouter sur le port 22, 22, blablabla.
Et quand on fait l'exécution, ça se fait de la façon suivante, c'est extrêmement simple. Et là, vous avez déjà quand même une bonne méthode pour parler d'un point de vue sécurisé. Encore une fois, si vous voulez bypasser tout ce qui est firewall et compagnie, il faut que le contenu en fait de votre payload soit totalement comment dire, ne puisse pas être facilement compréhensible par les firewalls. Et généralement, les firewalls, ils vont bloquer tout ce qu'ils comprennent. Et s'ils voient justement ce genre de trame SSH, ils vont bloquer. Ce qui n'est pas le cas si vous utilisez du TLS directement, par exemple, je sais pas moi, sur le port 443 classique en HTTP. Personne ne saura ce que vous faites et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Idem pour les plus curieux, si vous voulez faire du tuning sur le port UDP ou TCP 53, ça peut fonctionner, mais il faut que vous ayez des méthodes en fait pour pouvoir bypasser facilement la plupart des comment dire des mince, comment ça s'appelle, des règles en fait de firewalling qui sont mises en place. Ouais, dans une vie antérieure, j'ai fait un peu de sécurité, donc j'avais mis en place tout ce qui était outils de diagnostic et compagnie au niveau du réseau d'une boîte au début de ma carrière, entre guillemets, donc j'ai bossé pas mal sur ces sujets-là, c'était assez intéressant. Ok, ben, on est pas mal, donc on a une petite idée de ce qui se passe, donc on sait déjà qu'on a besoin de clés, donc il va falloir qu'on génère les clés. On va faire comme avec TLS avant, c'est que moi je voudrais bien vous montrer comment on fait pour générer les clés avec Erlang. On a juste besoin des clés en question pour faire ça, et puis d'un port TCP différent de 22, en tout cas un FireAmi 24, pour qu'on puisse utiliser qu'un utilisateur classique. Est-ce qu'on n'essayerait pas d'abord de se connecter simplement avec Erlang en simple client? Donc, on va reprendre cette fois-ci la documentation au niveau d'Erlang. Et donc au niveau d'Erlang, c'est une application qui s'appelle SSH, qui se démarre comme n'importe quel type d'application, et qui a besoin généralement de public key et crypto pour faire quasiment tout. Après, évidemment, ils vont utiliser gentcp ou pour faire justement tout ce qui est écoute de service, mais pour l'instant, on n'en a pas forcément besoin. À partir de là, pour se connecter, on va utiliser comme n'importe quel autre système. La façon suivante, et là on voit que les échanges sont faits. Donc ils vont dire new host, blablabla, est-ce qu'on l'accepte? Donc là on a déjà nos échanges qui ont été faits. A priori ça a l'air d'être bon. Les échanges ont été faits. Ils nous demandent un password SSH. Donc actuellement j'ai pas de password. Donc je vais juste mettre un password à la con. Et voilà les différentes informations qu'on reçoit. Donc on a un info report. Et il nous dit que Erlang, enfin du moins le client qui était fourni avec Erlang n'a pas réussi à se connecter parce qu'en fait il n'y avait pas les méthodes d'authentification valides. Pourquoi j'aime particulièrement SSH avec Erlang? Je vous montrerai après, enfin si on a le temps, parce que je papote et je suis pas sûr que j'aurai le temps de tout vous montrer. C'est qu'on peut gérer absolument tous les niveaux de comment ça s'appelle des différentes étapes de connexion. Donc que ce soit au niveau du client et au niveau du serveur. Donc au niveau du serveur par exemple, quand on va le définir tout à l'heure et qu'on va essayer de le démarrer en local, on va pouvoir définir les méthodes d'authentification. Daemon Option, on a toutes ces options-là, enfin ces groupes d'options, et on a Authentication Daemon Option. On a User Password, Password, PWD Fun, etc., qui vont définir en fait des méthodologies, des méthodes pour pouvoir se connecter et authentifier l'utilisateur qui vont venir se connecter sur le serveur, sur Erlang. Un autre truc qu'on verra à la fin, c'est qu'en fait SSH peut être utilisé au sein d'Erlang pour directement donner accès au shell Erlang à distance. Donc pour du debug ou pour en fait de l'intervention en production, si vous avez compilé ou fait votre release avec SSH directement intégré dessus, vous avez la possibilité de vous y connecter et de modifier votre machine virtuelle qui fonctionne directement avec SSH, enfin avec Erlang, directement en live. C'est juste incroyable. Et généralement, ça utilise les méthodes d'authentification qui sont propres au système hôte. Donc, enfin, les authentifications classiques. Mais si vous voulez modifier ça et faire votre propre authentification pour éviter justement différentes problématiques, vous pouvez passer directement par ça. Et donc, on va tester ça après avec User Password.
Mais on peut utiliser par exemple simplement password pour dire qu'il y a un seul utilisateur qui peut s'y connecter, un utilisateur standard par défaut, etc., etc. Donc là déjà la première étape pour se connecter, alors cette connexion-là elle n'est pas valide, c'est assez normal dans le sens où j'ai pas fait quelque chose d'incroyable pour le moment. On va essayer de faire maintenant un service, comment dire, SSH du côté Erlang, from scratch. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le daemon qui est ici, alors TCP socket, on s'en fout, et les options, ils vont me dire la même problématique que j'ai tout à l'heure, ils vont me dire qu'il n'y a pas les host keys. Donc on va faire ça, SSH daemon, le port en question, et on va mettre aucune option. Et là, il me dit no host key available. Donc là, on a deux méthodes. Soit en fait, on va réutiliser les clés en question qui ont été générées avant, avec l'option systemdir par exemple, et avec le pass qui a été défini aussi avant. Donc on va récupérer ce pass qui est ici. Qui va directement chercher les clés. Et là on voit notre process écoute bien sur un daemon. Et si on fait un petit ss -lnpt, on voit que. Alors je vais peut-être faire un petit sudo pour voir l'information complète. On voit que on a bien empd. Ici, il y a bim.smp, je veux dire, qui écoute sur le port 2222. Ce qui fait que maintenant, si je prends un client SSH, on va essayer de reprendre celui qui est là, SSH localhost-p 222. Là, on voit que c'est pas du tout le même prompt que tout à l'heure. Si je mets mot de passe test, il va pas être content. Donc au bout d'un moment, il va potentiellement crasher. Il va me dire, ok, c'est pas possible parce qu'en fait, vos passwords n'y passent pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement arrêter le démon en question. Daemon, PID 0192 0. Donc là, il est arrêté. Si on fait un petit coup, on voit qu'il n'existe plus. Et là, on va rajouter nos méthodes d'authentification. Pour vous dire que c'est quand même super simple à configurer. C'était où? Daemon option, authentication. Il est où? Il est là. Hop. Et là, on va mettre user password. Donc c'est une prop list. Hop. Et on va mettre un nom d'utilisateur. Donc typiquement on va mettre test avec le mot de passe test. Là il est encore démarré, on vérifie. Il est bien sur le port 2222. Maintenant on va tester avec un utilisateur test. Et là, magique, on a accès à un shell Erlang. En même pas deux ou trois lignes de code, on a déjà du SSH et c'est compatible avec globalement la majorité des clients SSH disponibles sur le marché. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh ben, on peut faire la même chose que la majorité des autres commandes avec SSH. Donc déjà, si vous pouvez le voir, à chaque fois qu'on envoie un message, on a bien une connexion TCP qui se fait et en fait les données sont envoyées, évidemment chiffrées. Ce qu'on peut faire, par exemple, ls. Donc on a bien accès à notre répertoire sur lequel en fait le nœud Erlang est démarré. Et si je vais dans src, vous devriez voir s, app, etc. Donc là vous avez une connexion SSH et ça vous permet de manager votre système à distance. Admettons que vous soyez, je sais pas moi, sur un serveur à distance de test ou n'importe quoi, que le truc a crashé, vous êtes en staging, compagnie. Si vous avez configuré ça avec un daemon SSH au départ, vous avez accès à votre système à distance et vous pouvez configurer n'importe quel type de méthodologie pour vous y connecter. Donc là, c'est la méthodologie la plus simple, c'est user password, mais il y en a d'autres que j'espère que je vais avoir le temps de vous montrer un petit peu tout ça. Bref, déjà, on sait comment s'y connecter d'un point de vue simplement, on sait comment démarrer un processus, donc il n'y a pas trop de soucis. Quittons cette connexion-là. Hop. Ah, il veut pas se déconnecter. Voilà. Donc là, normalement, il devrait toujours être présent. Je pense. Ouais, il est toujours présent. On va tester un truc pour vous montrer aussi que c'est normalement multiplexé. Et là, on a accès à deux shells. Donc, ce qui pourrait être marrant, c'est voir le PID en question. Self. Ok. Self. Ok. Et on va s'en envoyer des petits messages. Ah non,
Ah non, mince, si je l'envoie à moi-même, ça va pas le faire. PID 0234 0. Hop. Et là, on a bien notre Hello Bro. Donc, c'est-à-dire que plusieurs utilisateurs qui peuvent se connecter à SSH peuvent aussi communiquer entre eux. Là, je vais juste faire un petit coup de flush, mais c'est pour vous montrer que le PID 243, on va aussi envoyer quelque chose dessus. PID 0.243.0. Bong, par exemple. Et là, on reçoit bien sur notre shell distinct Pong. Donc, si vous êtes plusieurs à débugger ou que vous avez des choses à faire sur votre système, etc., vous pouvez très bien le voir. Alors, je suis pas sûr que ça a fonctionné, mais normalement, si on fait ça. Ouais, non, ça fonctionne parce qu'en fait, je suis connecté sur le serveur, il n'y a pas de X-forwarding par défaut. Donc, c'est des choses qu'on peut configurer aussi, je pense. Je vous avouerai, j'ai jamais testé, donc je m'avance peut-être un peu trop, j'ai jamais fait de observer à distance. Mais ça peut être une des idées, c'est de démarrer en fait SSH, se connecter dessus, avoir l'observer, etc. et tout. Ce qui n'empêche que normalement, on a accès à notre ligne de commande SSH qu'on fait avec tilde sc. Et on va voir si ça fonctionne. On va voir quelle est la réaction. Donc là, a priori, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, le forwarding de port est activé par défaut. Je vais quand même vérifier au niveau de la doc, parce que ça m'étonne que ce soit activé par défaut. Marrant ça. Je me souvenais pas, c'est peut-être un rajout qui a été fait, mais dans mes souvenirs, il n'y avait pas le support du forwarding. J'ai testé un autre truc. Hop, on va le mettre en dynamique, dynamique. Ok. A priori, ça a marché. Bo, bo, bo. C'est marrant ça. Curl. Comment c'est HTTP proxy dans mes souvenirs. Donc, lhost 2.90.90. C'est un proxy SOX. Google.fr. Alors, comment on l'utilise? C'est juste proxy? Après proxy, mais c'est peut-être juste proxy en fait. Proxy et SOX 5. Connection to proxy closed. Ok, donc c'est le forwarding fonctionne. Forwarding disabled. Ok, donc c'est bien ce que je me disais, c'est que par défaut en fait c'était pas activé. Donc qu'est-ce que c'est que le forwarding SSH? Alors je sais évidemment qu'il y a plein de personnes qui vont me dire ouais, ça fonctionne comment? Je vous fais juste un petit exemple avec un petit dessin. Parce que vous savez que j'aime bien dessiner. Hop. Non. J'ai dit un nouveau diagramme, pas un ancien. Hop. Blank. Ok. Donc généralement, qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez votre serveur SSH, SSHD. Vous avez Internet ici. Hop. Et évidemment, Internet, c'est un peu de tous les côtés. On va en mettre un ici. Et vous avez potentiellement d'autres serveurs, d'autres services. Par exemple, un service qui tourne ici, HTTP, sur le même serveur ou ailleurs. Vous avez un utilisateur qui se connecte là. Évidemment, c'est pas le bon que je bouge, et qui a accès via SSH au service SSHD. Donc là, la connexion, elle est faite. Le principe du forwarding, c'est quoi? C'est que quand il est connecté ici, le client SSH peut faire office de relais, et donc revenir, par exemple, récupérer la connexion qui est ici, et la téléporter du côté, on va dire ça téléporter, hein, du côté client, de la façon suivante. Hop.
Donc ça, c'est un local forwarding, c'est-à-dire qu'en fait, on récupère directement une connexion quelque part et qu'on l'intègre localement sur le système. Donc ça se fait avec, ouais, c'est du local forwarding. L'autre qui est possible, c'est quand l'acteur se connecte directement à SSHD, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui-même forwarder un des services qu'il a, par exemple, accessible de son côté. Donc admettons, disons qu'il a, je sais pas moi, un autre SSHD fonctionnant sur son système, il va en fait directement le forwarder. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un remote forwarding. Et dernier type de forward, c'est dynamic forwarding. Le SSHD ici va faire en écoute, va mettre en écoute en fait un serveur proxy, et toutes les connexions qui vont être connectées du point de vue acteur, si en fait il y a un client qui veut se connecter sur ProxySOX en question, vont être dirigées vers Internet, justement à partir de l'adresse du serveur en question. Donc je ferai une démo plus tard sur ça. Je pense que vous trouvez assez de documentation aujourd'hui sur le web. Il y a une dizaine d'années, ce n'était pas forcément évident à trouver. Aujourd'hui, il y a vraiment ce qu'il vous faut pour tout ce qui est ressources. C'est juste pour vous parler un peu de ça. Donc, revenons à nos moutons. Ce qu'on veut là maintenant, c'est générer. Pourquoi il crache lui? Ok. Donc, c'est générer de notre côté les clés SSH en question. Donc, comment générer des clés SSH? On va aller déjà voir le code source d'OTP et on va aller faire un petit tour dedans. On va aller dans SSH. Et alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? On va aller dans SRC. Et à mon avis, parce que je ne vais pas vous mentir, j'ai regardé déjà avant, donc on va aller un peu plus vite. On va aller regarder SSH File. Donc, SSH File, si on prend la documentation qui est juste ici, tac. On a déjà des petites idées sur comment encoder et décoder des clés SSH. Alors, c'est où? Décode. Hop. Donc, SSH de pub key, public key, OpenSSH key, etc. Et ensuite, on a le SSH bin qui est le binary. Par logique, ce que je dirais, on va tester si je me trompe ou pas, c'est que si on est dans le répertoire en question, qu'on utilise SSH file pour décoder un fichier. Donc déjà on va le read file file read file le nom d'un fichier SSH host RSA key par exemple. Donc là on a bien notre fichier qui est ici et on va faire SSH file décode. Et type, on va mettre OpenSSH key. Non, c'est pas le bon. C'est quoi? C'est que pour l'équipe publique, ça? C'est peut-être que pour l'équipe publique. Donc, on va ouvrir un deuxième et on va mettre juste le point pub. Ok. Voilà. Donc, là déjà, on a une petite idée de ce qu'il y a dedans. Si on reprend notre fichier de tout à l'heure, donc je vais faire juste public. Ça, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. On a le premier élément, c'est le type de clé, donc SSH RSA. Donc, ça va contenir une clé publique RSA. Et ensuite, tout ce qui est encodé là, c'est la clé publique avec le modulo à utiliser, etc. Plus à la fin, le comment que je vous avais montré contenant en fait le nom de l'utilisateur @ le host en question. On a une méthode pour décoder, c'est-à-dire que si on a une méthode pour décoder, on doit avoir une méthode pour encoder aussi. Donc on va récupérer cette valeur-là qu'on vient de décoder, on va essayer de la réencoder. On va mettre decoded, hop. Si je fais juste decoded pour être sûr, ok. Et maintenant on va faire SSH file encode. In data, donc ça va être decoded et on veut OpenSSH key. Et là, on arrive à récupérer notre clé encodée. Qu'est-ce qu'on a vu et qu'est-ce qui est intéressant ici? Ce qui est intéressant,
c'est que le RSA public key qui est ici, si vous vous souvenez, je crois que j'avais fait justement une vidéo il y a quelques temps sur TLS et DTLS, c'est une valeur qu'on peut facilement générer au moyen de public key ou de modules crypto. Donc on va voir ça tout de suite. Donc pour public key, generate key, c'est RSA suivi de la taille de la clé, par exemple 2048. J'ai un trou de mémoire. Normalement, c'était ça. Ah non, 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 c'est comme ça. RSA 2048 et 65 537. Non, c'est pas ça. Je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Hop. Non, bon, on va aller voir la doc. On va aller voir la doc. Public key. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est generate key. Ah non, 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 ok. C'est parce que c'était crypto qui fait, qui utilise ça comme ça. Je crois que c'est RSA suivi des paramètres. Voilà. Donc là, on a notre normalement notre clé, comment ça s'appelle? Notre clé privée du côté justement généré par crypto. Et donc en fait, il va falloir qu'on crée notre clé publique grâce à ça. Donc on va aller dans désolé, j'en ai un peu partout. On va aller ici et normalement on doit avoir un truc qui s'appelle public key ou je sais plus comment on fait. Prif key to public key. Juste ici. Donc on va récupérer notre private key. Ok. Et maintenant grâce à ça, on va pouvoir faire crypto private key to. C'est Priv Key. To Pub Key, RSA, et on va mettre normalement, ça doit être Private Key. On-chain Private Key Ref. Normalement, c'est bon. Je crois que la dernière fois, j'utilisais pas cette version-là en fait. J'utilisais avec public key. Et en fait, ce qu'on est obligé de faire, c'est ça. Et là, on peut définir RSA, machin chose. RSA param. Et dans le RSA param. C'est ici, size public s. Ouais, c'est bien ça. C'est j'utilisais pas de la bonne façon. En generate key. Et ce qu'on va faire, ça va être RSA 24 137. Ah, c'est mieux. Ça correspond plus à ce que j'utilisais d'habitude. Désolé pour la petite gêne. Donc on va l'appeler juste R ou public. PRK, c'est très bien. Donc là on a notre clé privée. Et si on normalement on a la façon pour la convertir. Alors j'ai pas mes notes avec moi. Normalement j'utilise quand même autre chose. Mais non, normalement on a public exponent ici. Et on doit avoir le modulus qui sont en fait les deux outils qui sont utilisés pour avoir en fait la clé publique. Decrypt public, compute key. J'ai un trou de mémoire, non, j'avais mes notes à côté, mais c'était pas prévu.
Normalement, la clé publique, elle est relativement simple à avoir, hein. Comme on le voit ici. Normalement, on a RSA Public Key, et ça, c'est simplement le modulus. Et ça, c'est la valeur qui est ici, c'est Public Exponent. Et en fait, ces deux valeurs-là permettent de faire la clé publique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la crafter nous-mêmes. Donc, ce qu'on va faire, c'est la façon suivante. On va faire RSA Public Key. Déjà, on va voir si c'est le bon truc. Non. C'était quoi le nom qu'ils ont utilisé, eux? RSA Public Key. Pourtant, il est bien là. Ok, il est là. Donc le modulus, comme on a vu tout à l'heure, ça va être PRK. Donc là, ça va être RSA private key. Point modulus. Et public exponent, ça va être l'exponent public qui est ici, donc public exponent aussi. Donc PRK, RSA private key, et c'est public exponent. Et j'ai oublié une côte quelque part, donc ça fout la grouille. Donc là, on a bien notre RSA public key. Et si vous regardez bien, la valeur qui était ici, ça va être exactement ça. Donc on a la possibilité normalement d'encoder ça ensuite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'encoder tout de suite directement avec SSH file encode. Donc c'était, je crois que c'était OpenSSH key, c'est ça? Si, je crois que c'était ça. Et c'est juste une liste qui est foutue de la façon suivante. Si je me trompe pas, c'est un tuple. Ok. Alors, si c'est pas un tuple, c'est quoi? Parce que dans le premier élément, il y a ça. Et dans le deuxième, c'est une liste de commentaires, a priori. Ok, c'est peut-être moi qui ai fait n'importe quoi pour le coup. Alors, c'est où la doc? Je l'avais ouvert où? In data, ah, c'est l'inverse. Ok. J'ai fait n'importe quoi, c'est plutôt comme ça. Et là, on doit avoir OpenSSH, par exemple SSH de pub key, voir ce que ça donne. Exception non-function close matching SSH public key encode. Ok, open SSH. Ok, et donc là, on vient de recrafter et on a eu la possibilité de créer une clé publique avec ça. Donc ça veut dire que normalement la clé privée doit être faite de la même façon. Par contre, la question de savoir c'est où est-ce qu'on va trouver ça? InData OpenSSH. Public key, donc a priori c'est pas là. Extract public key. Oh, c'est bête, j'avais celle-là ici. Donc on avait ça ici. Donc SSH permet d'extraire en fait directement la clé publique et la clé publique de la clé privée. Par contre, ça me dit pas. Host key, add host key, is host key, user key, décode. Ouais, c'est que pour les clés publiques. Donc je suppose que la clé privée en question, normalement ça doit être un format genre ASN ou un truc comme ça. On va peut-être le voir au niveau des specs. Je suis pas sûr que ce soit défini là, je pense que c'est plutôt au niveau de
Niveau DCSH. Comment on va pouvoir faire ça? Je vais couper ça. PDCSH private key. Ok, ça m'aide pas beaucoup. Et honnêtement, on va pas se mentir, je pense que c'est fait avec avec public key. À mon avis, ça va être du genre du PEM format ou un truc dans le genre. Je propose qu'on essaye. Donc, on va read le fichier une nouvelle fois. Alors, qu'est-ce qu'on a sous la main? On va tester, tiens, celui-là. Ok, on va l'appeler data file read file. Donc là, on a bien data. Et si on fait public key pem décode data, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc on a new OpenSSH et a priori, on a bien la valeur de ce qu'on veut. Donc on a new OpenSSH, c'est bizarre ce que... No ASN1, new OpenSSH, not encrypted. C'est quoi? Ça veut dire qu'on partage, ça partage directement la clé privée. On va essayer avec RSA, parce que RSA c'est plus pratique généralement. Enfin, c'est plus simple à comprendre. C'est peut-être pas du PEM. C'est pas de la SNA en tout cas. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qui retourne. Ok. Alors, pour les personnes qui se demandent ce que j'ai fait là, donc j'ai affiché enfin le contenu de la clé privée, j'ai supprimé la première ligne et la dernière ligne, et j'ai décomposé en fait le contenu du bas 64, enfin j'ai décomposé, j'ai décodé en fait le contenu du bas 64, et je l'affiche avec Xdump pour voir en fait la structure d'un point de vue binaire, voir ce qu'il y a dedans. Donc là on a bien OpenSSH key V1, alors il y a différents paramètres non, SSH RSA. Et normalement, on devrait avoir d'autres informations derrière. SSH RSA encore. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est ça. C'est si vous voulez pas voir ça, on fait juste string, je crois. Hop. Et ça nous affiche toutes les chaînes de caractères en clair. Donc OpenSSH, non, OpenSSH. Donc ça, je sais pas c'est quoi. OpenRSA. Ok, c'est la clé a priori qui est répétée deux fois. Ok, donc c'est quoi comme format qu'ils utilisent? Ouais, je pense qu'on va arrêter dans pas longtemps de toute façon. Ça fait combien de temps? Ça fait 1h20 que je stream. J'aimerais juste finir ça et puis après on va arrêter. Bon, déjà on sait comment décoder des clés publiques, encoder des clés publiques, générer une clé RSA. Il reste à décoder en fait le contenu. Des clés privées, mais je pense que j'ai pas dû bien lire la doc en question des SSH. On va aller refaire un tour.
C'est vrai qu'après, il y a toute la partie SFTP à faire aussi, ce que je pourrais vous montrer. Ça peut être assez cool à faire. Mais je suis pas sûr qu'on aura le temps aujourd'hui. En 2 heures, c'est un peu compliqué de montrer tout ça. Puis comme j'essaie de vous montrer en même temps comment ça fonctionne, lire la doc et essayer de ne pas être trop paumé, c'est pas forcément des plus simples. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc ici? OSCII fingerprint, default algorithme, get sock BTS. Non, c'est pas là. Pour moi, c'est ici. Alors. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Alors ça c'est intéressant, a priori on peut générer. Alors, on va tester ça tout de suite. SSH file, user key, algorithm, ça doit être RSA par exemple. Et en option, on va mettre ça comme ça, voir ce que ça donne. Non, c'est pas ça. Je suis perplexe. SSH RSA. Ah, et bah voilà, on a une autre méthode pour générer les clés privées. Donc si on a bien cette méthode-là pour générer les clés privées, c'est-à-dire que OSCII, ça doit faire la même chose, je suppose. À quoi il sert OSCII alors? Résultat qui est private key. Oh, la doc elle est pas terrible, hein. Ça fait partie du truc qu'il va peut-être falloir penser à améliorer. Dire pourtant on est bien là. Qu'est-ce qui déconne? Ça c'est bon. Je pense que je vais pas trop m'attarder là-dessus. On va, je vais me bouger de sujet. Mais à mon avis, ce truc-là devrait être assez intéressant. Je vais quand même tester un truc. Je trouve ça un peu bizarre. On va aller voir le code source, parce que ça m'étonne un peu. Alors. Comment que ça fonctionne? Read SSH key file.
Alors, qu'est-ce qu'il fait? File name. OPTS. C'est marrant ça. Alors là, je me dis que potentiellement c'est le PWD, il me retourne simplement les... C'est pas une string qui retourne. Ouais, il retourne rien, c'est pour ça que ça marche pas. Donc ça, on va le récupérer, on va le mettre en systemd ici. Hop, etc. Et là, on a bien nos clés. Donc private key, RSA, mais ça veut dire que potentiellement, en fonction des autres qu'on a, on doit avoir ECDSA par exemple. C'est quoi qui supporte? SSHDSS, déjà on va voir ça. Normalement c'est, je crois qu'il, je sais plus si c'est supporté ça. Normalement c'est pas généré par défaut. 25519. Marrant ça. Ouais, ça marche mieux. Ok. On a bien ça. Et la dernière, ça doit être le CDSA, mais je crois pas que ce soit supporté. SSHED. A priori, j'ai pas l'impression de le voir. On va quand même essayer, mais mon avis, ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est pas supporté? CDSA. Tester quand même celui-là. Ah bah si, ça marche. Bon, bah on a la possibilité de lire les clés, etc. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est au lieu d'éviter d'avoir le système dir, quand on va démarrer le démon, on va lui définir directement les clés en brut qu'on pourra générer à la volée. Donc pour faire ça, on va aller dans Daemon Option. Normalement, vous devriez avoir les informations qu'il nous faut pour justement générer ce qui va bien. Donc, ce serait dans quoi? Shell Daemon Option. Non, c'est dans Authentication. Subsystem Daemon Option, c'est pas ça, c'est pour genre FTP. SSH CLI Daemon, on s'en fout. Authentification, c'est pour les utilisateurs. Negotiation Timeout, Hardening. Ok, Callback Daemon Option. Common option. On devrait avoir des trucs assez intéressants. Est-ce que tout en haut on n'aurait pas un truc? Il est en mode bourrin pour chercher la doc. Mais dans mes souvenirs, je crois qu'on peut le définir directement. Au lieu de définir le fichier, on peut utiliser directement en fait les valeurs des clés. À moins que ce soit qu'un callback. Je crois que c'est qu'un callback. Serveur API key. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça, ouais, c'est ça. Donc en fait, on est obligé d'utiliser un callback pour en fait retourner les valeurs. Donc on peut le faire soit en dur, soit passer par le callback. Il est quelle heure? 17h30.
1h30, ça fait déjà beaucoup, hein. Donc on va peut-être arrêter pour ce soir. Mais je pense qu'on continuera peut-être la semaine prochaine. Donc l'idée, ce serait de créer une fonction callback. Donc c'est un behavior qui était défini. Et ce callback-là va être passé directement au daemon SSH ou au listen local. Je ne sais plus comment on l'appelle. Il y a un truc qui s'appelle listen, je crois, dans mes souvenirs. Connect, Oski, non, c'est daemon. En fait, on va le passer au daemon. Et le daemon, en fait, il va s'occuper. Donc c'est dans les callbacks normalement. Justement, c'est ici. Unable object, mesure present. Ok. Et donc en fait, on peut utiliser un autre système de stockage directement par les callbacks. Donc en utilisant SSH Server Key API Callback. Et ça va permettre de stocker directement en mémoire ou de générer à la volée en fait les valeurs qu'on veut au niveau des clés. Donc ça peut être intéressant de montrer ça. Je pense qu'on fera ça la semaine prochaine. Pour résumer, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a compilé SSH from scratch, SSH portable depuis le site d'OpenBSD, d'OpenSSH en tout cas. On a généré les clés localement, manuellement, etc. Ouais, je vous ai un peu montré comment ça fonctionnait. On a démarré en fait un serveur SSHD localement avec des fichiers qu'on a générés from scratch. On a généré des clés, enfin on a décodé des clés publiques via SSH. On s'est connecté directement à un ERLang via SSH aussi. Donc ouais, on a fait pas mal de trucs. Moi je propose que la semaine prochaine on continue tout ça. Et que bah que c'est déjà pas mal. Je vais voir s'il n'y a pas des questions sur les personnes. Personne ne parle, donc bah nickel. Je vais vous souhaiter à tous un très bon week-end. Et on voit ça quand? On voit ça la semaine prochaine pour le reste. Allez, sur ces belles paroles, très très bon week-end. Puis portez-vous bien. Ciao, ciao.